Bonjour à tous. Alors après une petite vidéo sur ce que pourrait être une spiritualité naturienne, il fallait que je développe maintenant, il faut que je développe un point très important de cette spiritualité, à savoir la question de la sexualité. Alors il faut savoir que quand dans le mouvement naturiste on parle de sexualité, on pose une question très délicate et très embarrassante. Parce que quand on associe naturisme et sexualité, on pense immédiatement au Cap d'Agde. Et donc le phénomène du Cap d'Agde qui peut se résumer en trois points. Premièrement, le voyeurisme et l'exhibitionnisme sexuel, auquel du coup le naturisme est souvent amalgamé. Et déjà là, le naturisme a un petit peu de mal à se défendre, puisqu'en gros il dit... Pour réagir à cette accusation de voyeurisme et d'exhibitionnisme, le naturisme dit non, nous, notre nudité, dans ce naturisme-là, on ne se montre pas, on ne se cache pas. Et donc c'est une réponse un peu défensive. Et il y a une autre réponse un petit peu plus récente qui dit tout simplement notre nudité, elle est non sexuelle. Alors on verra dans la prochaine partie là. Que cette assertion d'incompatibilité entre naturisme et sexualité, en tout cas que ces choses-là n'ont rien à voir, elle est complètement fausse. Mais surtout, il y a une réponse toute simple si on se réfère à l'origine du nudisme et toute la réflexion qu'il a fait naître, notamment le côté sexuel et psychologique justement. La réponse est simple puisque le nudisme va dire en fait ces phénomènes d'exhibitionnisme et de voyeurisme, ce sont des conséquences du tabou sur le corps. Ce sont une curiosité naturelle en fait, un besoin de voir ou d'être vu éventuellement, qui vont être du coup exacerbées, une curiosité naturelle qui va être exacerbée et devenir obsédante. Et en fait là on est face à des obsessions, et la nudité naturiste a justement pour but de désobséder cette nudité. Et voilà, on a déjà une réponse de base qui redonne un sens au naturisme par rapport à cette question. Alors, deuxième phénomène qu'on voit au Cap d'Agde, c'est la question de l'échangisme. Tandis que le naturisme est plutôt se défend en disant non, nous c'est un naturisme familial, sous-entendu, un papa et une maman pour faire des enfants, etc. Mais il n'y a pas de questionnement plus approfondi, alors que cette question de l'échangisme, qui touche à la question justement familiale de manière profonde, si on s'y attache vraiment, elle est extrêmement intéressante. Elle a été aussi une question soulevée par le naturisme. Il n'y a pas eu de réponse à ce niveau-là, mais voilà, il faut continuer à chercher. Et puis en plus, c'est un sujet un peu tabou parce que je crois que beaucoup de naturistes. Qui critiquent le Cap d'Agde, ses amalgames et tout ça, il y en a beaucoup, pas tous, mais qui pratiquent l'échangisme aussi secrètement. Donc c'est vrai qu'on touche à des questions auxquelles on n'a pas trop le droit de toucher. Et puis, troisième point qu'on oublie assez souvent, c'est que la nudité qui est pratiquée au Cap d'Agde, elle est vachement relative. Elle est très habillée finalement, très parée, très contrôlée. Donc, on a tous ces déguisements, le cuir, barésie, etc. Mais on a aussi ce phénomène de l'épilation intégrale et des piercings intimes qui, d'une nudité simple, va transformer cette nudité simple et naturelle en nudité obsessionnelle, centrée sur la question sexuelle. Ça m'inquiète pas mal parce que le naturisme oublie un petit peu de voir ça, cette nudité relative, et pas cette absence de nudité naturelle. Et du coup, ça m'inquiète un peu, ces phénomènes-là, épilation intégrale et piercing intime, commencent à envahir petit à petit le mouvement naturiste. Et donc, pour moi, ça c'est bien le phénomène que le mouvement naturiste a oublié ses fondements. Et se trouve bien désarmé face à des trucs qu'ils ne maîtrisent pas et qu'en général, du coup, c'est plus un effet de mode et les gens y participent. Donc, par cette introduction, je voulais déjà rappeler que
le mouvement naturiste, gymnosophique, nudiste, a eu, en tout cas, a entamé une réflexion profonde sur cette question de la sexualité. Et ça, c'est comme ça que j'ai commencé donc la première partie de cette vidéo. Alors, le fondateur du mouvement naturiste, gymnosophique, nudiste, Marcel Kenelmongeau, a écrit à la fin de sa vie un bouquin qui a jamais été publié, que j'ai eu la chance pas de posséder, mais d'avoir entre les mains et que j'ai pu numériser et retaper entièrement, et qu'on va bientôt pouvoir enfin publier. Ce livre s'appelle La révolte des sexes. Et il est séparé en deux parties, la première étant historique de la nudosexualité. Donc déjà, il fait un lien extrêmement étroit entre nudité et sexualité. Et le deuxième, parlant du nudisme contemporain, dans les différents pays, les différentes manifestations, même au sein de son propre club qu'il a créé, qu'il a pu rencontrer. Et dans cette première partie, il y a quelque chose qui saute aux yeux au fil des chapitres, en fait, et donc il dresse un historique à partir des connaissances de l'époque, de justement du sort de cette nudosexualité où la nudité et la sexualité subissent le même sort commun, le même sort répressif. Puis il se rend compte qu'au contraire de cette idée de modernité, de progrès linéaire auquel on est habitué, eh ben, le sort de la nudité et de la sexualité a connu une évolution complètement inverse. Et donc a été au fil des époques les deux de plus en plus réprimés. Et par exemple, aujourd'hui, la sexualité est beaucoup plus réprimée que à la Renaissance. À la Renaissance, elle était beaucoup plus réprimée. Enfin, les deux étaient beaucoup plus réprimés que au Moyen Âge. Au Moyen Âge, plus réprimé que l'Antiquité de la Préhistoire, etc. Et autant toute, comment dire? On a pu. La nudité a été peut-être la plus facile à réprimer, la sexualité était beaucoup plus difficile et a généré d'ailleurs, et peut-être même encore impossible à vraiment réprimer, ce qui fait qu'on a assisté à des tas de débordements. Avec un exemple au Moyen-Âge où on sait que les prêtres se sont beaucoup plaints de l'attitude très grivoise de la population, par exemple de la population française de l'époque. Enfin, gauloise, française, enfin, on est en période de transition, quoi. Et ben, ils ont été, donc ils se plaignaient des infidélités, enfin, ils ont été donc obligés d'interdire ou de comment dire, limiter certaines manifestations où la nudité était libre, et il y avait beaucoup de moments où cette nudité était libre, et où ben, qui donnaient l'occasion à des rencontres sexuelles, hors mariage par exemple. À savoir, par exemple, les bains publics étaient mixtes, puis en plus la nudité était complètement libre. En ville, on pouvait sortir de chez soi nu pour aller au bain et revenir nu chez soi, ça posait problème à personne. Les morts étaient exposés et enterrés nus. On dormait nu, et dans les auberges, par exemple, il n'y avait qu'une seule grande chambre, c'était le grenier. Tout le monde dormait en même temps, donc c'était l'occasion de tas de rencontres. Donc les bains, les fêtes aussi, les fêtes surtout les fêtes païennes au sens paysanne, les solstices, les équinoxes, etc. où c'était l'occasion de faire la fête, on se retrouvait nu pour se baigner par exemple, et puis les couples se formaient, se défaisaient, allaient dans la forêt, etc. Et donc l'Église s'est beaucoup battue contre ça, et enfin l'Église et pas seulement l'Église, hein, beaucoup de pouvoir parce que elle a laissé la place, et quand par exemple à la Révolution française, l'Église a perdu sa priorité, les révolutionnaires ont voté des lois encore plus répressives concernant la nudité, par exemple, où on ne pouvait plus se baigner nu dans les fleuves, les rivières, etc. Et donc dans la deuxième partie, qui s'appelle le nudisme contemporain, entre autres choses, hein, c'est pas le cœur du sujet, mais Kinmonjo se rend compte que finalement, la question de la fidélité sexuelle est très difficile à tenir, que dès qu'on relâche un peu la pression, et que du coup, effectivement, le nudisme
est un petit peu le un vecteur qui va permettre une soupape, qui va permettre parfois, s'il n'y a pas de surveillance, que les gens se lâchent un peu ou se mettent à ressentir des trucs qu'ils n'avaient jamais ressentis, enfin, ne les engageant pas dans ce qu'on peut appeler la fidélité sexuelle. Et donc, quand on lit ce bouquin et quand on voit aujourd'hui ce qu'il en est, avec le phénomène du CapDac et tout ça, ou même les comportements cachés, parce que du coup, il y a une grande hypocrisie. Hein, la fidélité sexuelle, elle est idéalement prônée. Quelque part, tout le monde y croit, mais personne ne, enfin, très peu de monde, elle est très difficile à tenir, je peux en témoigner. Est-ce qu'elle est naturelle, cette fidélité? Et donc la réponse, on va pouvoir la trouver. Là, Kilmonjo, à l'époque, n'avait pas la réponse. Et n'avait pas les éléments pour comprendre d'où vient cette tendance sexuelle libre. Cette réponse, on va la voir dans l'étude des structures sociales et notamment familiales de nos ancêtres. Là, je voudrais rendre un petit hommage à une universitaire qui m'a beaucoup fait avancer dans cette réflexion, Agnès Sechaine, qui a étudié à travers les mythes, les contes et les légendes. À la fois d'Europe, enfin surtout d'Europe, mais en même temps en allant chercher dans les mythes grecs, par exemple, où elle va déceler en fait la structure matrilinéaire des familles de nos ancêtres. Et donc j'en ai déjà parlé, mais je fais un petit rappel de ce que c'est cette structure matrilinéaire. C'est qu'en fait on ne prend en compte que le lignage maternel. Ce qui est très logique parce que ce qui crée une famille, c'est le lien mère-enfant, c'est pas autre chose. Et donc c'est des sociétés matrilinéaires, avunculaires, puisque comme c'est des familles élargies, on reste dans la famille de sa mère. Donc forcément, la mère est avec ses frères, ses sœurs, et donc le rôle qu'on connaît paternel aujourd'hui était à l'origine dévolu aux oncles. Et donc finalement, la sexualité, enfin le rôle de géniteur et d'éducateur était naturellement différencié. C'était des familles élargies, donc on vivait avec sa grand-mère, ses grands-tantes, ses grands-oncles, etc. Entre cousins germains, du coup, on était considérés comme frères et sœurs. Et donc, il régnait là-dedans une grande liberté sexuelle, qui était cadrée juste par le principe du totem et du tabou. Le totem, c'est la famille dans laquelle on vit, et le tabou, c'est il est interdit d'avoir des relations sexuelles avec les membres de ce totem. Ce qui est en soi une règle naturelle, parce que on l'observe même dans la nature. Quand des individus d'une même famille vivent ensemble, il y a un mécanisme inhibiteur. Je ne sais pas sur quoi il repose, j'essaie de trouver ça, mais il y a un mécanisme inhibiteur qui fait qu'on n'a pas de désir pour son frère, pour sa sœur, pour sa mère, etc. Enfin, pas de désir sexuel. Et autour de ça, eh ben, la liberté sexuelle est totale. Ça n'empêche pas qu'il y ait des couples qui se forment, mais ils ne vivent pas ensemble. Et ce qui fait que bah, quand ils se séparent, quand ils n'ont plus envie de former un couple, par exemple, bah, ça pose aucun problème, ça ne met en péril aucune des familles. C'est des familles hétérogènes au niveau de la culture, très stables. Et donc du coup, l'équilibre affectif de chacun est assuré, et en même temps, la liberté sexuelle de chacun est assurée. Et donc, au Moyen-Âge, ce qu'a fait l'Église, c'est elle a tenté, à grand-peine, pour tout le monde, d'effacer complètement les restes de cette culture matrilinéaire, donc de ces habitudes de liberté sexuelle. Pour imposer un système patrilinéaire, patriarcal. Pour ce faire, elle a dû acculturer la population. Donc, à la fois, ce système patrilinéaire a d'abord commencé dans les élites, parce que je vais vous expliquer ensuite en quoi il consiste. Il a fallu ensuite l'étendre, et pour ce faire, il a fallu changer les mythes. C'est pour ça que l'Église a importé un mythe d'Orient, par exemple le mythe d'Adam et Ève, du couple primordial, alors que cette idée, enfin ce couple sexuel, ce couple marié, entre guillemets, primordial, alors que généralement dans les mythes matrilinéaires,
ce couple-là n'existe pas. Éventuellement, on va parler d'un couple, mais ce ne sera pas un couple sexuel, ce sera le couple des premiers frères et sœurs. Et donc, ça a été difficile aussi parce que l'Église a dû manœuvrer, par exemple, la Vierge Marie, Théotokos, mère de Dieu, ça a été une concession aux païens pour les récupérer. Les païens qui avaient l'habitude de vénérer une déesse mère, et ben là, il fallait qu'ils se reconnaissent dans une figure féminine universelle. Et donc, ce qui fait que, ben voilà, le christianisme, c'est un gros mélange improbable, déjà à la base de judaïsme et de pensée grecque qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Et puis en plus, paganisé pour essayer de récupérer. Donc, ce qui nous montre bien que les religions, les grandes religions instituées, sont souvent des manipulations idéologiques pour justifier un pouvoir. Donc maintenant, passons au patriarcat et ses tenants, ses aboutissants. Et là, je voudrais rendre hommage à Wilhelm Reich, qui est le premier qui m'a fait mettre le doigt sur ce phénomène de matrilignage et de liberté sexuelle et de patriarcat et de répression sexuelle, parce que c'est là-dessus que repose le patriarcat. Le patriarcat, c'est le changement de filiation. Alors que la filiation est naturellement maternelle, organiquement maternelle, là, on va donner au masculin, à un homme, la filiation de sa femme. Mais pour assurer cette filiation, pour être sûr qu'il est bien le père, parce que ça, c'est difficile à maîtriser, il va falloir mettre en place un système de répression sexuelle. C'est-à-dire, d'abord pour la femme, on va inventer les concepts de virginité et de fidélité. Donc d'exclusivité sexuelle. Donc la femme ne sera interdite d'avoir des relations sexuelles avec d'autres hommes avant même de connaître son futur mari, et va devoir ensuite lui faire des enfants. Donc c'est plus elle qui, enfin, elle va devenir la pondeuse de son mari. Et le but de tout ça, c'est en fait d'amasser du pouvoir et des richesses. Parce que la notion de mariage et de fidélité sexuelle, etc., est liée au système de la dot, c'est-à-dire le partitionnement de l'héritage qui au départ était commun, indivisible. Dans une société matrilinéaire, l'héritage, enfin, les terres, la maison et tout ça appartient à toute la communauté. Il n'y a personne qui est propriétaire de tout ça tout seul, et c'est indivisible. Si quelqu'un veut partir de la communauté, bah, il part, mais il renonce à l'héritage aussi. Et dans le patriarcat, on va inventer la division de l'héritage par le nombre d'enfants ou par le système des dots, et par le mariage, une famille qui va marier sa fille va donner une dot au mari, donc une partie de l'héritage. Et le but, c'est petit à petit d'amasser toutes les richesses, tous les héritages, toutes les terres, par exemple. C'est pour ça que s'il a fallu d'abord que ça passe par les élites, il a fallu aussi l'étendre à toute la population pour pouvoir récupérer toutes les richesses de cette population. Alors le problème, c'est que cette exclusivité sexuelle, cette virginité, cette fidélité, elle est pas naturelle. Parce que le système naturel, c'est le système matrilinéaire, où on est libre de sa sexualité assez tôt. Et il va falloir déjà, pour le maintenir, donc comme j'en ai parlé, changer l'idéologie et puis instaurer une pression sociale très forte, ce qui fait que ceux qui ne vont pas répondre à l'impératif de cette virginité, de cette chasteté, vont être rejetés de la société, mis au banc de la société. Et donc il va y avoir une pression très très forte, ce qui va faire que, par exemple, on a des exemples de familles qui, ne serait-ce que parce que la femme a été violée, même pas parce qu'elle est allée coucher ailleurs, vont la tuer parce que c'est un déshonneur. Ils vont plus pouvoir la vendre. On est vraiment là dans un système commercial. Et le résultat de tout ça, c'est que cette pression va être extrêmement forte pour maintenir un système qui n'est pas naturel du tout. Et donc, ça va générer forcément des névroses, énormément de frustration, et tout ça va générer un mal-être général,
qui va pouvoir débouler sur ou du renfermement sur soi, une sorte d'autisme, d'aboulie, comme disait Reich, ou au contraire une agressivité. Cette frustration va monter en agressivité et c'est tout le tissu social qui va s'en trouver perturbé, agressif, et on va se retrouver avec des sociétés. La société patriarcale est une société guerrière par essence, alors que les sociétés matrilinéaires sont des sociétés paisibles. Et donc, on va se retrouver avec des manifestations qui n'existaient pas auparavant, à savoir des crimes passionnels, des viols, mais aussi des. Qu'est-ce qu'on peut trouver? Des systèmes où une famille qui veut conserver son héritage va être obligée de marier ses enfants entre eux, enfin avec des familles proches. Donc, on va tomber dans des systèmes consanguins qui vont complètement faire dégénérer. Enfin, qui vont dégénérer la. Parce qu'en général, l'hygiène n'est pas là non plus. On se fout de l'hygiène de vie, donc on va avoir des hérédités complètement dégénérées. Donc c'est un système qui en soi, du point de vue naturel, n'est pas viable du tout. Et tellement pas viable que justement il va être hypocrite, dans le sens où, bon, puisque les femmes ne sont plus accessibles, les hommes vont plus pouvoir faire l'amour comme ils auraient voulu aussi, donc effet collatéral. Et ils vont, en gros, va se générer deux phénomènes. La prostitution, qui va récupérer les filles mères, celles qui sont sorties, qui n'ont pas été tuées, mais qui vont être exploitées. Et l'Église a été un grand proxénète de ces filles perdues. Ou sinon, dans d'autres situations. On va avoir apparaître la pédérastie, enfin une homosexualité chez des personnes qui ne sont pas homosexuelles. Si elles étaient déjà homosexuelles, c'est même pas un problème. D'ailleurs, cette question de l'homosexualité dans les familles matrilinéaires pose aucun problème, puisque enfin, il n'y a pas de question d'homoparentalité. On s'en fout qu'un oncle soit homo ou pas, du moment qu'il s'occupe de ses enfants. Après, il a les amours qu'il veut. Dans les sociétés matrilinéaires, il n'y a pas de commérage. Il n'y a pas non plus de jalousie. Donc il n'y a pas de viol, il n'y a pas tout ce système-là, qui sont des phénomènes, des conséquences néfastes du système patriarcal. Et donc finalement, aujourd'hui, quand on se marie, on n'est plus du tout dans cette idée-là d'amassement des richesses, etc. On n'est plus là-dedans. On se marie par amour. Sauf que. On se rend compte avec tous les divorces qui explosent et tous les problèmes que ça génère, que si c'est l'amour qui est important, ben faut se rappeler que le couple, la famille nucléaire, donc l'alliance de deux personnes de cultures différentes, donc on casse des familles pour générer une famille hétérogène, donc déjà difficilement stable, parce qu'au quotidien, le moindre petit truc va finir par énerver l'autre. Cette structure-là n'a pas été créée pour faciliter l'amour. Et de fait, c'est une structure qui tue l'amour. Et tous ceux qui vivent en couple depuis longtemps, qui se tiennent à la fidélité, peuvent témoigner que c'est pas facile, que c'est pas et donc quelque chose, à mon avis, c'est pas quelque chose de naturel. Et donc voilà, si cette idéologie du couple qui est apparemment normale, naturelle, même belle, et anodine, en fait, elle est catastrophique parce qu'elle va générer, du coup, de toutes ces frustrations et de toutes ces frictions, et ben, c'est là que ça va générer finalement le phénomène des femmes battues. Il y a aussi des hommes battus, mais généralement, c'est les femmes qui prennent. Et cette idéologie du couple où la mère, du coup, donne son enfant à son mari, ben, c'est l'apparition du sexisme. Donc, si on veut lutter contre le sexisme, ben, il faut s'attaquer à la structure qui le génère. Et qui en est le résultat, c'est-à-dire le couple. Voilà, c'est la structure matrilinéaire est naturelle, et c'est celle qui permet de mieux, comment dire, de faire en sorte que nos besoins soient le plus respectés. Maintenant, on va essayer de prendre un petit peu de recul biologique pour essayer de comprendre un petit peu quels sont nos besoins, notre nature humaine et par rapport à cette sexualité. Bon, alors donc on va prendre un grand, 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 grand recul biologique pour vraiment mettre tout ça en perspective. Et donc déjà en prenant en considération que dans les espèces sexuées,
la sexualité est vraiment centrale dans la vie de l'espèce. Elle occupe une place centrale parce qu'elle est tout simplement la vie qui se perpétue. Autant manger, dormir, respirer, etc., bah ça correspond à la conservation individuelle qui est primordiale. La sexualité, ça va être un besoin particulier qui va nous faire passer non plus dans une dimension individuelle, mais collective, puisqu'elle est la conservation non plus de l'individu, mais de l'espèce entière. Donc, la sexualité a déjà par nature une dimension non pas individuelle, mais déjà collective. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de reproduction, c'est l'occasion de parler un petit peu de l'hygiénisme qui considère que la reproduction, c'est la diffusion de gènes, la transmission de gènes qu'on a nous-mêmes hérités. Et donc, on a une responsabilité vis-à-vis de notre espèce, de la qualité des gènes que nous transmettons. Et si on a hérité de gènes sains, et ben, on se doit de les maintenir en bonne santé pour transmettre, parce que c'est notre rôle vis-à-vis de notre espèce. Et si on hérite d'une génétique un petit peu délabrée, et ben là, l'hygiénisme va nous permettre de la régénérer. Et on a donc cette responsabilité personnelle de prendre soin des gènes que l'on transmet. Ceci étant dit, donc on va continuer sur cette dimension collective. Où en fait, nos natures, la nature de notre espèce, a des besoins. Et ces besoins vont impacter tous les domaines de notre vie, y compris la sexualité. Et donc, pour comprendre notre sexualité, la nature de notre sexualité, il va falloir comprendre qu'elle répond aux besoins de notre espèce. Et donc, pour la comprendre, il va falloir comprendre quelle est la nature de notre espèce. J'ai déjà dit dans la vidéo précédente que nous étions une espèce vivipare mammifère, donc qui était déjà en soi générateur d'une grande sociabilité, d'une grande empathie, et qui est partie prenante constitutive de notre humanité, des valeurs des valeurs humaines. Mais je vais ajouter un truc aussi, c'est que notre humanité, c'est quand même une espèce assez spéciale, que je qualifierais pas de plus intelligente ou quoi, mais c'est la chose quand on regarde notre apparence dans notre nudité, justement, on est une espèce nue. On est une espèce, c'est-à-dire peu spécialisée. On n'a pas d'armes, on n'a pas de griffes, de crocs, on n'a pas de protection de cuir épais ou de fourrure. On est nu, donc finalement assez sensible, assez fragile. Et c'est viable, puisqu'on est là. Et c'est viable parce que, on a trouvé une autre force qui est la force du groupe, l'organisation sociale, etc. Et donc, cette sociabilité, pour être assurée, elle a besoin d'une cohésion du groupe. Et cette cohésion, elle ne va pas se trouver dans les contraintes, les violences, l'agressivité et tout ça. Ça, c'est au contraire de quoi nous éloigner au maximum. Cette cohésion, elle va être basée sur la notion de plaisir. Et on aura la nature, enfin, le plaisir est un moteur extraordinaire. Et la nature, tout naturellement, va choisir, si on a besoin d'être sociable, va s'appuyer sur le plaisir social. Et donc, on connaît, enfin, tout ce qui est tout ce qui appartient à la vie humaine a une souche organique, a quelque chose d'organique. C'est une des idées de l'hygiénisme, du naturisme et du naturianisme. C'est que tout a une base organique, que c'est pas mécaniste en soi et que ça veut dire que les choses n'existent pas, mais leur base est organique et c'est très beau voir ce que l'organique peut générer. Et donc, concernant l'amour, on connaît l'hormone du coup de foudre, la PEA, dont je me refuse à retenir le nom, enfin j'arrive pas à retenir de ce que ça veut dire, phénylo, machin. C'est une hormone donc qui déclenche le coup de foudre, de cet amour qui rend aveugle. Donc c'est en général c'est sur cette hormone-là qu'on va fonder un couple et qu'on va présager d'un avenir jusqu'à ce que la mort nous sépare, etc. Sauf que le problème, c'est que cette PEA, elle a un effet limité dans le temps. Et quand elle s'arrête et on n'est plus sous l'effet de ce coup de foudre, de ce petit nuage sur lequel on est. Et là, en général, on découvre la réalité, en tout cas les contraintes qui sont générées par l'assemblage de deux personnes de cultures différentes.
Et finalement, tous les couples qui durent vous avoueront que oui, l'amour qu'on avait au départ, c'est pas le même qu'on a aujourd'hui. Et qu'en général, ça avant c'était l'amour passionné, maintenant c'est un amour plus tendre. Et ben c'est très juste parce qu'en fait, chez ces couples, ils sont arrivés avant que la PEA arrête ses effets, ils sont arrivés à générer une autre hormone qui est là beaucoup plus universelle chez l'être humain, qui est l'ocytocine. L'ocytocine, on la connaît comme étant l'hormone de la maternité. En fait, elle est générée au moment de l'accouchement, enfin, ou juste après l'accouchement. C'est ce qui permet à la femme de complètement oublier la douleur d'il y a 5 minutes. Et elle est sécrétée aussi pendant l'allaitement. Et donc là, c'est pour ça qu'on l'appelle aussi l'hormone de l'attachement. C'est grosso modo, moi, ce que j'appelle l'hormone de la tendresse, qui va marquer notre espèce dès le début, enfin, dès le début de la vie de chaque individu. Et ben, en fait, cette hormone, au début de notre vie, elle est générée automatiquement et on reçoit l'hormone de notre mère par l'allaitement. Mais en fait, elle va être générée par, moi je vais l'appeler tout simplement l'hormone de la tendresse, parce qu'elle est générée par tout ce qui est tendre, doux. Dans les relations sociales, physiquement, on va avoir les caresses, les câlins, les bisous, mais émotionnellement, on va avoir les mots doux, les paroles tendres, ou même la beauté, contempler. Quand on voit quelque chose de beau, ben, on génère cette ocytocine. Et donc, cette ocytocine, l'hormone de l'attachement, elle est à la base des relations sociales. De notre espèce humaine. En tout cas, des relations sociales naturelles, saines, agréables de notre espèce humaine. Si on trouve la présence de quelqu'un agréable, s'il a été doux avec nous, c'est parce qu'on a produit de l'ocytocine au contact de cette personne et de l'interaction qu'on a eue avec. Donc cette ocytocine, elle est produite par tout ce qui est tendre, tendresse, douceur. Et elle génère donc l'attachement, donc ce qui satisfait aux besoins de notre espèce, aux besoins de sociabilité de notre espèce sans laquelle on ne pourrait pas survivre. Et elle a des effets extrêmement forts, extrêmement intéressants, extrêmement profonds. Donc elle génère cet attachement à l'autre. Disons que selon les positions, elle va aussi bien s'attacher à quelqu'un et qu'on aura des relations sexuelles, aussi bien à qui on n'en aura pas. Ce sera indépendant. Et elle va avoir un effet déjà d'apaisement. Ça va être l'hormone du réconfort aussi. Enfin, quand on prend quelqu'un dans ses bras, quand il a eu qui a été agité émotionnellement, et ben là, on le prend dans ses bras, on le caresse, on lui dit des mots doux, on le câline. On le réconforte. Là, on va générer l'ocytocine qui a un pouvoir déstressant, apaisant. Et donc, quand le stress nous positionne nous met dans une situation où les fonctionnements biologiques, la digestion, l'assimilation, etc., s'arrêtent, et que si ce stress est prolongé, dans notre société, il est généralement prolongé, on a besoin de ces câlins pour remettre en fonction nos fonctionnements physiologiques et donc pouvoir, alors qu'on s'use dans le stress, là pouvoir se reconstruire. L'ocytocine est reconnue pour ses effets thérapeutiques, notamment sur les guérisons des cancers. Elle participe, enfin, dans le processus de guérison d'un cancer, elle peut impacter de manière très très forte le déroulement de cette guérison et la facilitation de cette guérison. Et puis, en plus de ça, cette ocytocine, elle a le pouvoir de déconnecter le mental, entre guillemets, c'est-à-dire désactiver le dualisme. Donc pour moi, c'est un peu la déesse ocytocine qui est capable de faire énormément de choses. Et donc qui est à la base, qui est un besoin fondamental pour notre espèce humaine. Et il se trouve que la sexualité est sans doute l'un des moments, l'une des activités qui génère le plus quand elle se déroule de manière épanouissante, quand elle n'est pas frustrée, quand elle peut se dérouler telle que les besoins de notre espèce le demandent. Ça va être l'une des activités qui va générer le plus d'ocytocine. Ce qui va faire qu'une relation sexuelle satisfaisante, elle va être basée d'abord sur la douceur, la tendresse, et non pas forcément sur le grand amour absolu, aveuglant, ça c'est pour la PEA. Elle va être donc très réconfortante, extrêmement importante. Et puis c'est dans la sexualité qu'on va ressentir
une communion très forte avec l'autre, justement parce qu'avec toute cette douceur, on va se sentir compris, aimé, et donc organiquement, les deux organismes vont s'entendre, vont se mettre à vibrer ensemble, entre guillemets. Et peut-être à où j'en suis, parce que la vidéo est compliquée. Oui, et c'est lors de la sexualité. Alors, je sais pas pour les femmes, parce que sans doute que la production d'ocytocine doit être très forte après l'accouchement. Les hommes, on peut pas connaître l'accouchement, donc ni même l'allaitement, donc c'est même pas la peine d'en parler. Mais c'est donc, en tout cas pour les hommes, une sexualité douce et épanouie est l'occasion de sentir ce sentiment océanique où on se sent tellement bien, on se sent entièrement et on se sent comme fondre, en tout cas relié complètement à l'univers. Et donc j'ai envie de dire que cette hormone qui déconnecte le mental, qui désactive le dualisme et qui nous fait nous sentir en osmose avec l'univers, j'ai envie de dire que c'est aussi l'hormone de la religion, de sentiment religieux, de reliance dont j'ai parlé dans la précédente vidéo, pas la religion institutionnelle. Et la sexualité est probablement, en tout cas pour les hommes, l'activité la plus religieuse qui soit, j'ai envie de dire. Et donc, pour que cette sexualité soit épanouie, donc elle a besoin de cette tendresse, donc qu'on enlève toute cette frustration déjà derrière. Donc forcément, cette sexualité a besoin d'être libre, de suivre les instincts. Et dans notre espèce, la sexualité ne remplit pas seulement une fonction reproductrice, comme le voudraient certains, elle a une fonction de cohésion sociale. Donc elle répond, cette sexualité libre, matrilinéaire, répond aux besoins de notre espèce de sociabilité. Parce que donc dans cette logique de famille naturelle où on vit ensemble, qui n'est jamais scindée, on vit toujours ensemble, déjà cette mise en commun des forces de production et tout ça, c'est déjà efficace pour l'éducation des gamins, pour ne serait-ce que pour manger, etc. Mais c'est quand même mieux si ces familles ne se font pas la guerre entre elles et s'unissent entre elles. Et donc la sexualité, c'est l'un des meilleurs moyens qu'a trouvé notre nature, cette sexualité libre, où c'est un facteur de cohésion entre les familles. On n'aura pas envie d'attaquer une famille avec qui on a fait un homme ne va pas avoir envie d'attaquer une famille avec l'une des filles à qui il a fait l'amour, par exemple. Surtout s'il a eu beaucoup de plaisir, et comme c'est un peu tout mélangé, personne ne sait qui a fait l'amour avec qui. La sexualité est libre, on peut faire avec l'une, avec l'autre, etc. Ça répond aux besoins de notre espèce de sociabilisation, de développement d'ocytocine, d'attachement, d'amour, finalement. Et ce qui nous fait arriver à cette idée que, finalement, l'être humain est un être profondément amoureux. Et le grand amour ne va pas être le grand amour centré sur une personne, exclusiviste, mais cette capacité de cœur d'aimer énormément de monde. Et plus on va s'aimer, mieux l'espèce va se porter. Et finalement, les hippies avaient raison, encore que leur formulation est un petit peu bancale, quand ils disaient « faites l'amour, pas la guerre ». En gros, ce que ça signifie, je ne sais pas s'ils l'avaient compris comme ça, mais ce qu'il aurait fallu dire, c'est « faites l'amour parce que notre espèce en a besoin, et si on fait l'amour, on n'aura aucun besoin de faire la guerre. Au contraire, si on ne fait pas l'amour, il va y avoir frustration, et là, on va avoir tendance à se faire la guerre, et donc notre espèce va avoir tendance à s'autodétruire. » Donc finalement, l'espèce humaine est une espèce polyamoureuse qui a besoin de s'aimer parce que ça répond aux besoins de survie de cette espèce. Et donc, la nudité là-dedans, elle est vachement importante parce que déjà, pour deux choses principalement. Déjà pour soi, de sortir d'une culture qui nous partitionne, par exemple en mettant des parties impures, des parties sales ou des parties propres. Non, on est un tout. Et déjà, la nudité, au contact des éléments, du vent, du soleil, de l'eau, contribue à nous réunifier sensoriellement. Et déjà, refaire vivre et ressentir toutes les parties de notre corps. Elle est l'occasion d'éprouver beaucoup plus de plaisir, par exemple en se baignant nu
où en se baignant un maillot, on se rend compte la différence. C'est pour ça que la plupart des nudistes ne peuvent pas retourner en arrière. C'est la sensation est complètement différente. Le plaisir qu'on a à nager nu, par exemple, va faire monter cette ocytocine, tandis qu'un maillot, on va pas se rendre compte quand on aura toujours eu l'habitude, mais va entraver à la fois ce sentiment d'unité et à la fois cet accès au plaisir. La nudité, c'est aussi le meilleur habit pour se caresser, pour se faire des câlins, pour s'embrasser. Le contact peau à peau, cette tendresse, elle passe par la peau. Et plus on va avoir de peau nue et réceptive à ces caresses, plus on va faire monter le plaisir et plus on va pouvoir se sentir bien avec l'autre. D'un autre côté, là on a vu un peu le côté personnel. Par rapport à l'autre, je suis persuadé que on le voit dans l'art où les plus belles œuvres sont en général des œuvres de nu, où la beauté est généralement, enfin c'est pour ça qu'elle est tellement attirante, la beauté, la nudité, c'est qu'elle est en soi belle et elle répond à un besoin contemplatif, parce que ce que disaient les hygiénistes, c'est que la beauté est le reflet de la santé. Et que un corps sain va rayonner, et en fait c'est pareil, très organique. Quand on voit quelqu'un de beau, ça signifie qu'il est en bonne santé, ça veut dire que globalement sa génétique est plutôt bonne et que ça en fait un bon partenaire reproductif. Si on reste en langage très scientifique, ça manque de poésie, mais en gros ça correspond à ça. Mais on va ressentir du plaisir, puisque le moteur de notre existence c'est le plaisir. On va ressentir du plaisir à quelque chose de sain. Et c'est ça qu'on va appeler la beauté. Et cette beauté, on a besoin de la contempler. Sinon, on devient, comme je l'ai expliqué au début, on en est frustré. Et cette curiosité naturelle et ce plaisir à contempler frustré va générer des obsessions. Donc voilà, encore une fois, la nudité et la sexualité sont intimement liées et sont des besoins organiques de notre espèce, de la vie de notre espèce. Alors en conclusion, il me paraît évident de rappeler une chose, c'est que, et ça va justifier la précédente vidéo sur la spiritualité naturienne, la vision du monde qu'on va avoir de nous-mêmes, de la nature, etc., va avoir un impact extrêmement fort sur notre vie, et notamment notre vie sexuelle et son épanouissement. Forcément, si on considère ça comme impur, on va pas pouvoir la vivre aussi bien, aussi pleinement et aussi humainement. Elle va pas être aussi nourrissante pour notre humanité que si on la reconsidère comme étant naturelle. C'est pour ça qu'il est important, il me semble, extrêmement important de pas se positionner en conservateur par rapport à la culture, mais en se positionner en tant que co-créateur pour essayer de trouver, de réinventer, de recréer une culture, une spiritualité, une vision du monde, une philosophie qui nous permettent d'épanouir notre plein potentiel humain. Et forcément, cette culture va devoir réintégrer le fait que nous soyons des mammifères, que nous soyons cet animal nu et que tous nos besoins sont les besoins de notre espèce et tous nos instincts sont échelonnés sur les besoins de notre espèce. Et que ce sont ces besoins, une fois satisfaits, qui donnent le meilleur de nous-mêmes. Si on veut être plus humain, il faut se reconsidérer comme étant des mammifères et reconsidérer notre sexualité comme étant, nos désirs sexuels comme étant normaux. Bon, malheureusement, aujourd'hui, on ne peut pas encore vivre cette sexualité épanouie en même temps qu'une vie affective en dehors, donc familiale, épanouie, puisque la structure matrilinéaire a été complètement éradiquée. Il faut plusieurs générations pour la régénérer. Mais déjà de reconsidérer, arrêter de considérer nos pulsions comme étant mauvaises, mais comme étant inadaptées à une structure qu'est le couple, par exemple, déjà ça permet d'avoir une vision de soi-même un peu meilleure. Et puis, cette culture qu'on va recréer, que je propose, dont je propose des éléments avec ces inspirations naturiennes, elle doit réunifier les choses, donc sortir du dualisme encore une fois, et réunifier l'homme à la nature, et même considérer l'homme non plus seulement comme un élément de la nature, mais comme étant la nature elle-même dans une de ses manifestations, comme ma main, c'est moi qui prends
quelque chose. Ben on va sortir, j'ai envie de ressortir cette citation qui est d'Élisée Reclus, qui est à peu près tout ce que j'ai lu de lui. Il semblerait que ce soit un naturiste anarchiste, donc naturien, etc., qui avait cette très belle phrase qui disait: l'homme, c'est la nature prenant conscience d'elle-même. Je trouve que c'est encore trop orienté Homo sapiens sapiens, où on se caractérise que par notre intelligence. Et j'ai envie d'ajouter, l'homme, c'est la nature amoureuse, polyamoureuse, panamoureuse. C'est cette nature contemplative qui s'aime elle-même, donc qui aime l'ensemble, qui trouve du plaisir à vivre ensemble, et qui s'observe et qui se contemple et qui trouve du plaisir à tout ça. Je vais arrêter là parce que cette vidéo est déjà super longue et puis bah, il y a déjà suffisamment à digérer. Donc je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, j'espère plus courtes, un peu plus concises, avec des sujets un peu moins compliqués. Voilà, allez, à bientôt.